C'était arrivé dans une Amérique encore sonnée par la mort de George Floyd, cet homme noir mort étouffé sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis aux États-Unis. Il y avait eu des semaines de manifestations et d'émeutes contre les violences policières et le racisme. Et trois mois après, une image faisait le tour du monde. À Kenosha, dans le Wisconsin, un homme noir qui retourne à sa voiture, apparemment calmement, et qui se fait tirer 7 balles dans le dos par un policier blanc. Cette scène effrayante revient cette nuit dans l'actualité avec la décision du procureur de ne pas poursuivre les policiers impliqués. Sonia Dridi, vous êtes aux États-Unis pour Europe 1. Après cette annonce du procureur, la ville de Kenosha a décrété l'état d'urgence. La garde nationale est prête à être déployée. Oui, les images avaient choqué et ému une Amérique déjà secouée par plusieurs affaires de violences policières. Le 23 août dernier, alors qu'il est en train de s'installer au volant de sa voiture, Jacob Blake, 29 ans, reçoit 7 balles dans le dos sous les yeux de ses 3 fils, assis sur les sièges arrière. Il est grièvement blessé et perd l'usage de ses jambes. 3 nuits d'émeutes s'ensuivent à Kenosha, mais pour le procureur général de la ville, Blake était visé par un mandat d'arrêt pour des violences conjugales. Des policiers avaient été contactés par son ex-femme et Blake aurait résisté à son interpellation. C'est lorsqu'il a ouvert sa portière que le policier a tiré. Un couteau se trouvait, selon les autorités, dans cette portière. Pour le procureur, l'agent qui a tiré était légitime défense. Aucun agent de Kenosha impliqué dans cette affaire ne sera poursuivi sur la base des faits et de la loi que je vais énoncer. Pour les proches de la victime, la déception et la frustration est immense, comme le confie le père de Jacob Blake à la chaîne ABC. Jusqu'à ce que le racisme systémique soit éradiqué, nous ne serons pas capables de guérir. L'avocat du jeune Afro-Américain qui réside toujours dans un centre de rééducation a dénoncé sur Twitter un déni de justice. Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.